est un petit garçon de 6 ans. Ce soir, à la sortie de l'école, Léo attend sa maman. Mais ce soir, sa maman ne vient pas le chercher. Elle est en retard. Léo a peur. Tous les enfants sont rentrés à la maison. Léo est seul dans la cour de l'école. Il attend un peu, puis il sort de l'école et court dans la rue. Il veut rentrer seul. Léo marche vite dans la rue. Quand il arrive à la pharmacie, il tourne à droite, puis il va tout droit jusqu'au feu. Là, il attend le feu vert pour traverser la rue. Après, il court jusqu'au magasin de jouets, puis il tourne à gauche. Léo s'arrête. Il faut aller tout droit, tourner à gauche ou à droite. Léo ne sait plus. Léo se retourne et voit un monsieur, mais il ne peut pas demander au monsieur le chemin de sa maison. Léo sait bien qu'il ne faut pas parler aux gens qu'il ne connaît pas. Il commence à faire noir. Léo a peur. Il pleure. Il ne trouve pas sa maison. Il crie, « Maman, où es-tu? Maman, viens !» Léo pleure beaucoup. Soudain, il entend, « Salut Léo !» Léo se retourne. C'est Didou, son ami et sa maman. La maman de Didou ramène Léo jusqu'à l'école. Devant l'école, Léo trouve sa maman. Il l'embrasse et pleure de joie. Sa maman est très contente aussi. En rentrant à la maison, Léo serre très fort la main de sa mère. Il promet de ne plus jamais partir tout seul de l'école. Et sa mère promet de ne plus jamais arriver en retard.